Elle est une star du petit écran au Gabon. Linda Bongo Ondimba se fait maquiller pour animer une émission à forte audience sur une télévision privée. Présidente de l'ONG Pretium Doloris et par ailleurs magistrate, elle apporte son aide aux hommes et femmes perdus dans les méandres des voies procédurales judiciaires. Bonsoir, je suis Linda Bongo Ondimba. Je suis là pour vous parler d'un sujet qui touche beaucoup de cœurs. Recevoir quelques femmes dans mon bureau ne me suffisait plus. Il fallait vraiment que tout le monde puisse connaître leurs droits. Parce qu'on dit, nous, on est censé ignorer la loi. Mais qui prend la peine d'enseigner la loi aux personnes? Parce que ce n'est pas n'importe quel profane qui va prendre le code civil et qui va comprendre. Parce que j'essaie de parler simplement aux gens, dans les termes simples. Un autre combat que mène cette femme de loi, c'est celui qui consiste à amener des gouvernants à donner un caractère juridique au concubinage, à l'exemple du pacte civil de solidarité en France. C'est-à-dire que quelqu'un, en signant ce certificat de concubinage, atteste ne pas être marié, atteste ne pas avoir une autre concubine, afin qu'en cas de décès ou en cas de séparation, des compensations, des condamnations peuvent être faites. Linda Bongo trouve la force de mener ce combat dans sa propre expérience après avoir subi les revers d'une vie en concubinage. Aujourd'hui, elle s'est reconstruite et tente de sensibiliser les femmes vulnérables.